Salut à tous, c'est VTT Attitude. On se retrouve pour un petit tuto plus information remplacement d'obus de valve tubeless. A tout de suite en vidéo. Alors on a tous été confrontés à des valves qui se bouchent avec le produit préventif, ce qui est normal. Au bout d'un moment, ça use les joints ou ça colmate la valve et c'est plus galère à gonfler, voire ça ne se gonfle plus. Alors pourquoi je fais ce tuto aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes remplacent les valves entières que vous trouverez en remplacement, qui coûtent quand même assez cher, alors qu'on peut remplacer uniquement l'obus de valve, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et normalement, tout le monde a eu livré avec ses jantes une petite pièce en plastique noir avec un trou rectangulaire au milieu qui sert à dévisser l'obus de valve. J'en ai pas à vous montrer parce que j'ai paumé les miennes. Si ce n'est pas le cas, que vous en avez pas, vous trouverez dans le commerce des montes obus de valve. Avec cet outil, on va pouvoir enlever l'obus de valve et cette opération va prendre 30 secondes. Pour un coût d'environ 1 euro de remplacement pour cette pièce unique, compte à peu près 9 à 10 euros une valve tubeless standard complète. Donc ça fait de sacrées économies d'argent. Entre temps, j'ai retrouvé le petit outil dont je vous parlais, qui est livré avec les valves neuves ou avec les jantes en plastique. Voilà, il ressemble à ça. Si vous avez ça, vous pouvez démonter votre obus de valve sans souci. Alors, en plus d'une économie d'argent, ça va être surtout une économie de gain de temps, parce que du coup, vous avez juste cette opération à faire. Remettre du préventif là, à cette étape-là si vous avez besoin d'en remettre, sinon c'est pas la peine. Vous repositionnez la valve neuve, vous la resserrez. Voilà. Vous regonflez et l'opération est finie. Et voilà, ce petit tuto touche à sa fin, donc c'est plus un tuto d'information plutôt que mécanique. Pensez que vous pouvez remplacer uniquement les obus de valve et ça vous coûte beaucoup moins cher et un gain de temps pour le remontage et le remplacement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça fait aussi énormément plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.